Bienvenue ici dans le Cantal, dans ce petit coin de nature bucolique, pour vous présenter une nouveauté signée à Barthes, la 124 GT. Venez avec moi. Bon, c'est le moment où j'ai une petite question à vous poser. Sachant que la Barthes GT coûte environ 40-42 000 euros, vous, pour ce tarif-là, qu'est-ce que vous choisiriez ? C'est Abarth GT, Mazda MX-5 RF, une Mercedes SLK d'entrée de gamme par contre. Je vous laisse nous dire, là juste en dessous là, d'accord, nous écrire un petit peu quel serait votre choix. Attention, pas d'occasion, dans le neuf. Et puis aussi, il y aura quand même un critère, c'est un petit coupé sportif, deux places. Allez, allez-y, on attend vos commentaires. Alors la 124 GT a quelques petites particularités esthétiques tout d'abord. Ce toit carbone qui est en fait un hardtop, hardtop démontable, puisque Abarth a eu la bonne idée de conserver ici derrière la capote originelle. Il suffit donc d'enlever ici deux vis, une de chaque côté, d'enlever la sécurité ici, et ce hardtop peut se retirer pour avoir à nouveau un cabriolet. Il faut savoir qu'il pèse 16 kg, donc sur la balance on a 16 kg de plus. Par contre, sur cette version GT, nous avons ici des jantes qui ont été allégées, et grâce à l'allègement des jantes, on gagne 6 kg. Si vous êtes bon en maths, finalement, cette version GT avec son toit carbone ne gagne, ne perd, ça dépend comment on se place, que 10 kg, ce qui est plutôt pas mal compte tenu de l'amélioration de la rigidité de l'ensemble. Alors on a la chance d'avoir ici deux versions de la Barthes GT. Alors vous le voyez, cette version un peu plus civilisée, on va dire, avec ce bleu uni, toujours le toit carbone. Et cette version donc grise, qui avec le toit carbone, donne un effet bicolore, un peu plus sportif. Sur le coffre ici, eh bien, le logo 124 GT. Bien sûr, les pots Monza que l'on aime tant. On va aller faire un petit tour à l'intérieur maintenant. Et on va voir qu'ici on a dans cette finition Abarth, eh bien pas mal de signatures Abarth sur le volant, sur la sellerie, ici en cuir avec, vous le voyez, des surpiqûres rouges. Petite plaque Abarth. Pédalier sport. Ici on est en boîte mécanique à 6 rapports. Le scorpion, bien sûr. Un intérieur résolument tourné vers le sport, avec une assise assez bas qui vraiment accentue ce côté sport. Oh. Alors vous le voyez, l'état d'une Abarth après un essai de deux jours, c'est pas très très propre. Alors j'en profite aussi pour vous donner quelques précisions sur cette Abarth 124, qui dès son premier niveau offre des freins Brembo, offre également un différentiel mécanique à glissement limité, et je peux vous dire qu'on a eu l'occasion de le tester et c'est très efficace. Et puis
à partir de la deuxième version, vous avez le fameux échappement Monza qui donne de la voie à cette petite 124. Voilà les amis, c'est la fin de cet essai, de cette nouvelle Abarth 124 GT. Alors déjà la grosse nouveauté, c'est la redéfinition de la gamme Abarth avec tout en haut cette nouvelle GT qui sera plutôt destinée à un public cherchant, je dirais, un peu la radicalité, une voiture qui pourra éventuellement servir sur circuit, notamment grâce à ce fameux nouveau toit en carbone qui permet non seulement de rigidifier l'ensemble mais également de répondre aux critères de sécurité pour le circuit. Il faut savoir que dans cette nouvelle gamme Abarth 124, le modèle de base va démarrer désormais à 34 000 euros et pourra être équipé en option de ce fameux toit et des jantes, ce qui permettra, je dirais, d'avoir ici une voiture piste préparée pour un tarif relativement acceptable. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé cette 124 GT, je la trouve très plaisante à conduire, 1080 kg pour 170 chevaux, c'est un vrai petit karting, elle est joueuse, franchement on prend beaucoup de plaisir à son volant, et puis quand les beaux jours arrivent, on enlève le toit et on peut rouler, cheveux au vent. Voilà, je vous laisse les amis, merci beaucoup, n'oubliez pas les commentaires en bas, les petits pouces ça fait plaisir, à bientôt, ciao.